I can say that I don't love you no more. I'll never try. Ben, moi, c'est Amélie Ayer et ça fait 5 ans que je suis licenciée au club hors argent. C'est plus aujourd'hui. Clémence Monteclé. Et ça fait 3 mois que je fais de la moto. De la langue d'Emilie, je fais de la moto depuis maintenant, on va dire, à peu près 2 ans. J'ai commencé en fait par du cross. Puis avec mon ami, je fais de la cross quand je l'ai connu. Donc c'est des petits terrains, j'ai jamais fait de course. Et cette année, donc Amélie m'a contactée pour rouler avec elle pour un équipage féminin en 125. J'ai fait mes premiers tours de roue en moto à 6 mois, donc j'ai tout de suite été mis dedans. Et avec mon frère, on a commencé un peu les stages de pilotage parce que quelqu'un nous avait dit « Oui, venez donc essayer et tout, pour voir comment ça se passe. » Et moi, j'ai arrêté parce que j'avais peur des autres, en fait. Parce que j'étais tombée plusieurs fois à cause de certains et voilà. Puis à force de voir mon frère rouler encore et encore, j'ai dit bon, c'est bon, faut que j'en fasse quoi, ça me tente trop quoi. Mon père depuis toujours est passionné de moto et mon copain fait des courses et donc du coup ça m'a donné envie d'en faire moi aussi. J'ai fait 2 fois de la moto mais c'était de la dirt. C'est tout petit et puis ça n'a rien à voir, il n'y a que 4 vitesses et ça a totalement rien à voir, la position n'est pas la même. C'est pas sur un circuit donc ça a rien à voir. Pas les mêmes sensations, pas le même physique, pas le même position de conduite, c'est vraiment tout est différent. Mais c'est tout aussi bien. Ce qui me plaît c'est les sensations. C'est de se sentir libre, on oublie tout. Il n'y a plus de problème, on est seul au monde et on prend vraiment beaucoup de plaisir. Un peu de tout, ouais, la sensation, la vitesse, parce que c'est pas du tout comme la voiture. Enfin, moi, je fais de la conduite accompagnée et franchement, derrière un volant, j'ai toujours envie d'accélérer. Quoi. C'est vraiment... assez flippant finalement. Hein. Mais je suis bien motivée, donc je vais m'entraîner. Il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. T'as trop de stress et puis une fois que t'es sur la piste, t'oublies un peu quoi. T'es dans un autre monde. La peur avant les courses, on peut pas manger, on peut pas dormir, on a la pression. Mais une fois que... Ce matin j'avais beaucoup de stress et une fois que je suis montée dessus, tout de suite ça va beaucoup mieux quoi. On oublie tout. Un truc à se concentrer sur ce qu'on fait et de l'autre côté on a toujours les yeux, on regarde plus ce qu'on fait. Ouais. Il faut vraiment toujours rester concentré, c'est quand même un sport mécanique, c'est assez dangereux. En plus nous on est quand même débutantes, donc il y a des personnes qui roulent beaucoup plus vite que nous. Il faut faire attention à tout ça et donc on peut pas laisser l'attention s'échapper. C'est pas possible, c'est trop dangereux. Bon, il y a toujours eu des moments où oui, on a eu un peu peur, mais c'est pas ce qui m'a donné envie d'arrêter quoi. De course et on est 4 pilotes donc toutes les 20-25 minutes on va tourner et voilà pour que tout le monde roule à peu près pareil et, parce qu'on a un temps de course en fait, on n'a pas le droit de dépasser 30 minutes par pilote à la suite en fait. C'est en 4 heures et donc on va alterner une demi-heure chacune. Ça permet de se reposer un petit peu parce que c'est quand même un quart d'heure, ça paraît pas, mais c'est assez physique pour une première course puisqu'on débute toutes les quatre. On verra bien. Oh, ça devrait bien se passer. On cherche pas à faire du résultat, on cherche surtout à s'amuser et à finir la course. Et puis c'est le principal. Au tout début, ça déstabilise plutôt parce que c'est impressionnant. On les entend pas arriver derrière et ils surgissent de tous les côtés. Puis au final, après, quand on commence à être plus à l'aise, c'est plutôt motivant. On a envie d'essayer de les suivre au maximum le plus longtemps possible.
Une dorsale aussi, parce que pour les chutes, c'est quand même bien pratique. Des vêtements en coton pour éviter les brûlures, un casque, des gants et des bottes, tout en cuir. Ça va faire 3 ans que je fais de la moto. Émilie, elle arrive du dirt et Aurore aussi. Et Clémence, ça fait vraiment que. Elle a fait que 3 entraînements ici, quoi. Ça se passe plutôt bien. On a des différences d'âge assez importantes. Parce que Aurore doit avoir une 20aine d'années. Moi, j'ai 17 ans. Amélie en a 17 aussi. Donc, ça fait quand même une petite différence. Mais on arrive à gérer ça. Et puis, on est une équipe. C'est un tout. C'est, on s'entraîne. On s'entraide aussi. Et on se soutient. Voilà. C'est plus motivant. Et puis, on est toutes dans le même délire. C'est. Ça n'a rien à voir en fait. Et le stress, on gère mieux à 4 que tout seul. Ah, 6 de prévu. Donc il y a celle-ci à Fontenay. On en a, ça doit être 4 au Mans et une à Annecy. Donc Mans, le Mans c'est 6h et les deux autres c'est 4h. Notre objectif, c'est déjà avant tout de faire plaisir, c'est quand même le plus important. Essayer de rivaliser avec les garçons, même si faut quand même rester lucide. Aujourd'hui, c'est un peu une découverte aussi pour nous, mais oui, notre objectif, c'est de se faire plaisir et de finir la course aussi. C'est de montrer qu'on est là et de s'amuser avant tout et de participer. On n'est pas là pour gagner. Se mesurer un peu les garçons, voir comment on est et s'amuser tout simplement. C'est vraiment juste pour s'amuser parce que. On sait très bien qu'on va pas faire une place, qu'on va pas faire un chrono super quoi, c'est pas pour en faire notre métier, donc c'est vraiment pour nous amuser quoi.